Bonsoir à toutes et à tous, 19h Magie Jazzy sur YouTube, c'est parti. Alors ce soir, pas de DVD, pas de livre, pas de notes de conférence, mais plutôt un téléchargement pour un tour, celui de David Kong, Mercury Aces. Un effet basé sur, bien sûr, les twists de cartes, etc. Vous connaissez tous Twisting the Aces de Dave Erlon. Et puis il y a eu le Asher Twist, de Lee Asher, bien sûr. Et puis là, je trouve quelque chose de très intéressant, une approche vraiment très sympathique, et surtout avec un final très surprenant. Bon, si ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description pour pouvoir accéder à ces tours, et puis bien sûr toutes les promos et tout ce qui va bien à télécharger ou à acheter chez CC Magic, CC Edition. Guy et Jeu ce soir nous propose des dalles. Alors à partir de 8 ans et plus, les parties durent en moyenne 10 minutes et ça se joue de 1 à 4 joueurs. Les plus du jeu. Eh bien, c'est un excellent jeu de cartes coopératif où vous allez tout simplement vous entraider afin de bloquer et d'enfermer le Minotaure. Des règles simples. Pour un jeu profond, en fait, où vous allez construire vos pièces intelligemment pour enfermer ce fameux Minotaure, tout simplement, mais surtout en respectant des défis lancés par les cartes. Et puis enfin, un système de défis tous plus durs les uns que les autres, avec même un système, enfin un mode hardcore chronométré. Si vous voulez plus d'infos, vous avez une vidéo Ludovox Ludo Chrono dans la description, sinon www.guyetjeu.fr et les boutiques, bah vous les connaissez. Au niveau de mon actu, on se retrouve 14, 15, 16 mai à la Maison de la Magie. Ça continue, encore deux séries de 3 jours en mai, puis ça continue en juin, ça continue en juillet, en août, enfin bref. Si vous voulez venir me voir, il y a moyen de se rencontrer à Blois, à la Maison de la Magie. De toute façon, vous avez toutes les dates dans la description. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse donc avec ce tour de David Kong, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir, et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Ciao. Donc, quelques cartes pour ce tour. Alors, on va utiliser en fait... Alors, je vais vous les montrer, hein, vous inquiétez pas, pas de panique. Voilà, on va utiliser tout simplement les rois. D'accord ? Parfait. Donc, cœur, carreau, d'accord ? Et puis bien sûr, pique et trèfle. Bref, 1, 2, 3 et 4 rois. On va juste passer au-dessus comme ceci du jeu. Et logiquement, on a un roi qui, voyez-vous, qui se retourne, d'accord, qui twist, comme on dit. Bizarre, hein. Alors c'est marrant parce que si vous... Maintenant, vous faites un tour, comme il y en a un qui a twisté, ben, logiquement, vous pouvez faire twister un autre roi. Et en principe, c'est les rois rouges qui commencent à twister. Voyez-vous. On peut vérifier, hein, d'ailleurs. On va voir. Ouais, c'est bien ça. Deux rois noirs. Ok. On va essayer de faire twister un roi noir juste comme ceci. Et normalement, ça marche. Trèfle vient de twister. Assez étonnant. Hein. D'accord. Si on veut vérifier, il n'y a pas de souci. Et puis, dernier roi. Dernier roi. On fait un dernier twist. Et ça marche. Bizarre. Hein. Vous vous souvenez, on a utilisé les rois. Mais généralement, c'est vrai que les magiciens préfèrent quand même utiliser les as, quoi. Alors, c'est rigolo parce que, est-ce que vous vous souvenez, donc on avait des rois, ça a transformé en as. Si vous cherchez les as, ils sont sur la table. Par contre, si vous cherchez les rois, je vous rassure, en fait, ils sont dans le milieu du jeu. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée.